l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de trois femmes qui sont mariées à des seigneurs très puissants de l'Italie de la première Renaissance et qui sont décapitées sur l'ordre de leur mari. Or, et c'est là et l'étonnant, l'inouï, l'extraordinaire de cette histoire, aucune femme à cette époque ne devait être décapitée pour adultère. Leurs maris les font donc décapiter au mépris de toutes les lois, des lois humaines, mais aussi de la loi de l'Église. Et pourquoi? Et là, il y a l'explication et la thèse en quelque sorte de notre livre, parce que c'est le moment où le couple seigneurial est en train de monter en puissance, où ces femmes donc prennent de l'importance. Et ce qu'elles payent par leur mort, c'est leur importance nouvelle dans le paysage politique et culturel de l'Italie du temps. Non, ce sont trois cas qui étaient connus de manière individuelle, mais que nous avons mis en série parce que justement, il nous semblait que ces trois événements tout à fait extraordinaires illuminaient en quelque sorte un moment de transition, d'émutation qui opéra au cœur du pouvoir de l'Italie seigneuriale. Ce sont trois cas tout à fait exceptionnel, je le répète. Pourquoi? Parce que à l'ordinaire, on pouvait se débarrasser d'une femme adultère, soit en fait en recourant au pape, en demandant la dissolution du mariage. Et ça aurait été très facile de le faire pour ces trois seigneurs, puisque tous étaient liés en fait avec leurs épouses par des liens de parenté. Ou on pouvait aussi, et on en connaît des cas, se débarrasser d'une manière discrète de l'épouse, soit en l'empoisonnant ou au moins en la renvoyant dans sa famille. Donc là, ce sont des cas tout à fait inouïs.